au banc des joueurs. Entrée de zone, pardon, de Jordan Dumais. Ondel qui est perdu. Et là, Gendron veut tenter de pousser vers Brisson. C'est fait, il va s'échapper. Brisson est seul, la fête. L'arrêt au retour. C'est l'arrêt de Rousseau à deux occasions. Gasquet et Gravel a dû s'interposer. Lawrence envoie vers Gendron. Ça met le couloir à gauche. Gendron derrière Brisson. Brisson coupe. Ah, Gendron! L'arrêt de Rousseau! Et je pense qu'il l'avait touché d'extérieur du filet. Mais... est-ce que c'était la passe de trop un peu d'Alexis Brisson qui avait probablement le meilleur angle de tir sur la séquence? Et les Moussets, là, c'est, on payait cher là, l'aspect offensif de David Moravec qui s'est vraiment faufilé à l'attaque du côté des Moussets en transportant le disque. Ouais. Ça rejoint son coéquipier qui était là. Entrée de zone de Catafort. C'était Owen Phillips. C'est compte! 1-0 Moussets sur le premier tir au filet. Mathieu Catafort fait 1-0 à Halifax. Et ça en dit long sur la qualité du tir. Quand tu bats Charles-Édouard Gravel dans la lucarne côté de la mitaine, ça arrive très, très rarement que Gravel se fait battre de la sorte. Alors, vous voyez l'entrée de zone de Vidicek à Catafort. Vraiment, et il y avait du monde pour bloquer ce tir-là, mais on était un peu malhabile à se mettre devant ce lancer-là du côté des deux joueurs de l'Armada. Et Gravel avait pas la vue obstruée. C'est tout un tir de la part de Mathieu Catafort. Gravel devait s'attendre à un tir plus bas dans cette situation. Vidicek s'amène tout près du cercle un tir. Là, Why Not s'est bloqué par Gravel qui repousse ça à sa gauche. Dumais à Why Not. 15 secondes à l'avantage numérique. Dumais s'amène. Fin de tir. Et compte! Le tir de Jordan Dumais trouve la fin entre les jambières de Charles-Édouard Gravel. C'est 2-0 Moussets. Et là, il n'y a pas grand-chose que le quatuor de l'Armada en désavantage numérique pouvait faire de mieux, mon cher Cédric, parce que c'est un tir vraiment qui vient de l'extérieur ou du point de mise en jeu, mais tu ne peux pas tout couvrir quand tu es à défaut d'un homme sur la patinoire. La rondelle a fort bien circulé du côté d'Halifax et là, Jordan Dumais n'a pas été repêché pour rien dans la Ligue nationale de hockey. Finalement, rondelle qui est sortie jusqu'au cercle à la gauche de Rousseau. Lawrence à Jean-Dor et dixième en automne match pour Alexis Gendron. C'est 2-1 Halifax. Il ne faudrait pas oublier le travail de Charles-Édouard Gravel. Ça avait l'air assez compliqué derrière son filet. Il aurait une passe, c'est certain. Il y a une mention d'aide et il s'en est tellement bien sorti en dégageant cette rondelle-là le long de la baie vitrée. Vous voyez, avec la pression d'Alexis Brisson. Je me demande s'il touche au 10. J'en ai pas l'impression non plus, mais c'est vraiment sa pression sur Cameron Why Not qui a fait la différence. Permis à Lawrence de saisir cette rondelle et on ne donne pas telle opportunité de passe à Josh Lawrence et Gendron. Pour ses dents. Oui. Le dentiste aussi en aura pour son argent, j'ai bien l'impression. Schultz vers Catafort derrière Dumais. Bel arrêt de Gravel qui s'interpose devant Dumais. Ça, c'est un arrêt important. Ouais. Seconde à la première période. Rentrée de zone, Lawrence. Lawrence à Denis, c'est dans ses patins. Tente un tir au filet. Retour, le tourniquet. Gendron! Oh, quel arrêt de Rousseau à bout portant! Glace chez la première unité des Moussets. Deux contre un de l'Armada en désavantage numérique. Denis à Fauchon. Fauchon, il est seul. La fin entre les jambières. Bel arrêt de Rousseau! Oh là là, Rousseau est en train de mettre son nom sur l'histoire de ce match jusqu'à maintenant. Absolument. Fauchon qui a été brillant pour tenter de glisser la rondelle entre ses jambières. Oui, une première période plus discrète dans le cas de ce trio-là et Jonathan Fauchon, mais alors qu'on on s'amène à 2-1, Biasca qui est pris au dépourvu et on tentait que c'était pas subtil. Rondelle qui est envoyé en zone centrale, pression de Boissel sur Phillips qui m'impressionne à outrance aujourd'hui. Vidicek vers le coin de la Rose perd le contrôle. Passe à Dumais, compte. Rondelle qui se retrouve sur la palette de Jordan Dumais. On les a presque pas vus dans cette deuxième période, les Moussets. Et encore une fois, c'est ce trio qui fait mouche. 3-1 Halifax. Et on ne peut pas donner une telle occasion à Jordan Dumais alors qu'on revoit le travail de Mathieu Catafort en échec avant sur Félix Larose. Et ça profite. Il touche suffisamment cette rondelle pour qu'elle se rende sur le bâton de Marcus Vidicek qui avait bien flairé où s'en allait le jeu. Et Dumais qui s'isole lui-même dans l'enclave. Boissel arrive un peu en rondelle perdue, on s'amène en surnombre du côté des Moussets. Dumais passe vers McPhee. Bel arrêt de Gravel sur Braden McPhee. Schmidt à Brisson. Brisson qui pivote. On voit Schmidt. Schmidt un tir. Le capitaine Braden Schmidt marque son deuxième de la saison et inscrit en avantage numérique. C'est 3-2.
Et l'avantage numérique qui offre enfin un but à l'Armada dans ce match. Alors que Braden Schmidt, il va vraiment être excellent avec son coup de patin. C'est une de ses qualités depuis le début du match. Il est en mesure de se défaire, de trouver les bons angles de tir et de passe grâce à son coup de patin. Et là, il s'en sert. Saluons le travail de Bourque. Cash qui va aller à Cardinal. À Lawrence. Lawrence tire qui sera au filet. Rondelle qui est libre pour Gendron. Ensuite, c'est poussé dans l'enclave. C'est à l'extérieur du filet. Les Moussettes tiennent le coup et l'emportent 3-2.